le responsable en charge de l'Organisation de l'Union pour le Progrès et le Renouveau, UPR, a occupé pendant 10 ans des postes de responsabilité au sein de l'administration Alpha Condé, avant d'être éjecté de ses fonctions de ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme. Thierno Ousmane Diallo a fini par enterrer la hache de guerre qui l'opposait à Ba Ousmane, le président de l'UPR. Dans « On refait le monde », sur Joma FM, il lui a été demandé s'il ne risquait pas d'être exclu du parti, à l'image de Baouri de l'UFDG, s'il ne fumait pas le calumet de la paix avec Ba Ousmane. « Je suis membre fondateur de l'UPR. Avec Baouri, ce n'est pas la même chose. Il ne faut jamais confondre l'UPR et l'UFDG de Seloud Alain Diallo, c'est très différent. » Nous, nous sommes partis de la base, nous avons lutté, nous savons c'est quoi les ressources humaines et ce que représente un cadre au sein d'une formation politique. C'est avec beaucoup d'amertume qu'on voit un cadre partir, surtout quand il a de l'expérience. Me virer n'aurait pas rapporté beaucoup au parti, répond-il. L'ancien ministre du Tourisme dit être contre toute exclusion d'un responsable en raison de divergences dans le parti, je n'exclus personne. Mon ambition, c'est d'envoyer des gens à l'UPR. Avec Ba Ousmane, tout notre désaccord tournait autour du fonctionnement de l'UPR. Ce n'est pas une question d'argent ou autre chose. Au sein du pouvoir, quand on m'a posé la question de savoir si oui ou non je suis pour la nouvelle constitution, j'ai dit que je suis pour, tout en précisant que je représente un parti politique et j'attends que ce parti se définisse, dit-il pour expliquer l'origine de la brouille avec le ministre Ba Ousmane. Quand le différend entre Ba Ousmane et moi a éclaté, le président Alpha Condé m'a demandé pourquoi je n'ai pas suivi la discipline du parti. J'ai répondu que j'ai suivi la discipline, mais j'ai ma personnalité. C'est pour dire qu'il a plus besoin d'un UPR uni, fort, bien consolidé en lieu et place de militants pris individuellement pour adhérer au RPG, précise-t-il.